Oui. Je prenais ma douche. C'est qui, Mélanie? La policière. Puis comment tu sais qu'il est avec elle? Parce que je suis là, pas très loin, caché. Ah! Moi qui pensais que j'avais essayé d'être plus indépendante avec Devin. Fait que là, elle est avec lui dans son appartement. Non, là, ils sont sortis. Si je suis même pas rentrée, moi, dans son appartement. Je l'ai tellement cru quand il m'a dit avec ses beaux yeux, « Oh, quelle pauvre famille! » Ouais, mais qui dit qu'elle a pas des nouvelles de son chien? Elle en commande est en robe, c'est-tu, puis tu devrais voir le décolleté en plus. Mais en tout cas, j'espère qu'ils sont loin, parce qu'elle a crié comme ça. Tu resteras pas cachée bien longtemps. C'est évident qu'elle va coucher avec, ou en tout cas, qu'ils viennent de le faire. Claude est encore là. Ça serait bizarre, non? Fanny? Devin vient de sortir avec un gros chien, puis ressemble vraiment à celui que j'ai vu sur une photo. Oh! Dis-moi pas que j'avais raison. Je me sens tellement épaisse, là. Hey, veux-tu que je vienne te rejoindre quelque part? Fanny! Devin garde le chien à part avec Hubert. Ah, il vient de retrouver son chien puis il le laisse avec Devin. Ok, t'as fait une très bonne job jusqu'à maintenant, Pastel, merci. Ils partent ensemble, je fais quoi? Ça se développe comment? Très bien pour elle. Moi, j'ai même pas encore soupé en tête-à-tête avec lui. Juste deux tisanes, une canne en taco, puis elle, ben, elle joue au pot. J'avoue, ça regarde mal. Toi, j'ai jamais été dans cet état-là avec Guillaume. J'ai jamais joué de game. Je l'appelais, il me rappelait. Je me suis jamais empêchée de faire ou dire quelque chose juste pour avoir l'air indépendante ou plus forte. C'est toutes les deux, on est en même place, on a les mêmes affaires, on a les mêmes vues. C'était tout le temps honnête puis respectueux. Je vais au moins dire ma façon de penser. Je suis pas contre l'idée, mais attends-moi qu'ils sortent du bar. Il me semble que c'est plus discret de les trembler sur le trottoir. Ah oui, et attends, on va boire un verre, attends. On va garder. C'est trop long, ça. Attends, tu vas pas le regretter dans 12 secondes. Je vais pas revenir dans 15 pour voir s'il part avec elle ou pas. Je sais que c'est ridiculisé, là. Ben, relax, je vais retrouver ton chien. Prends un verre juste pour avoir du fun. Oui, non, c'est juste que c'est un drôle de timing. Drôle de timing, dans le sens, j'étais avec une fille. Ça se pourrait. Ben, comme je suis pas possessive, c'est pas un problème pour moi. Une affaire, mais le corps chante une autre chanson. T'es une très belle fille, mais... Ouais, d'habitude, les gars me rappellent. C'est moi qui suis plus sélective. Mais j'aimerais ça voir ta chope de tatou. On y va? Sais-tu... Quoi? Je pense pas que ce soit une bonne idée, finalement. Comment, Hubert? Pas bon? C'est pas ça, mais... J'ai pas le goût de m'en servir. C'est pas moi qui vais dire. Je sais. Mais moi, je veux savoir.
J'ai déjà joué à Game Love, ça me tente plus. As-tu eu mes textos? Ouais, mais j'ai été occupée. Veux-tu deviner ou... Quoi? J'ai retrouvé Arthur. Ça va? J'imagine que c'est Mélanie qui l'a retrouvé. Ouais, elle était correcte finalement. T'as dû en profiter. Ouais, j'ai passé la soirée avec lui. Tu devrais voir mon père, c'est le fun. C'est comme s'il y avait un gros nuage noir qui est enfin passé. Puis avec toi dans ma vie, ben... Fanny? C'est Fanny. Je suis pas là, mais laissez-moi un message, mais je vous rappelle. Fanny vient de me raccrocher au nez. Je voulais comprendre. Ça vient d'arriver? Ouais. Je l'ai appelée, puis... bang. Je l'ai rappelée, mais j'ai pas rien à savoir. Je lui ai présenté mon chien. Il est cute. Est-ce que tu sais si elle travaille aujourd'hui ou non? Écoute, la dernière fois que j'ai parlé à l'ex de Fanny, ça s'est vraiment pas bien passé. Fait que t'aimes de régler ça avec elle. OK. Elle veut vraiment pas me parler. Ben, ça ressemble à ça, là. Est-ce que tu sais si elle retourne avec Guillaume? Ouais, c'est pas à moi de répondre à ça. Ah, puis tu peux dire à Devon que c'est un assez gros trou de cul, aussi. Super. Avec elle. Tu peux bien me dire ce que tu veux, Hubert, mais tu m'as menti. Puis elle, ça n'a plus beaucoup d'importance. Pourquoi tu dis ça? Guillaume a fait une tentative de suicide. Mais il va s'en sortir. Je suis désolée, Fanny. C'est arrivé quand? Hier, pendant que j'arrivais chez toi pour te faire une surprise. Puis là, je t'ai vu sortir avec Mélanie. Mais toi, tu m'as raconté que t'avais passé toute la soirée avec ton chien. Parce que je voulais pas t'inquiéter avec lui. Je m'étais arrangé avec Mélanie pour un souper si elle m'aidait à retrouver Arthur. Comme du marchandage? Oui. C'est mon chien. J'étais prêt à ça parce que je l'aime. Pourquoi tu m'as pas simplement dit tout ça? Je voulais pas compliquer les affaires. Tu trouves ça simple, toi, en ce moment? J'ai dit non à Mélanie. J'ai pas couché avec elle, parce que c'est avec toi que je veux faire l'amour. Je t'ai pas dit à propos du souper parce que je voulais pas te faire de la peine. Tu vois. Ah, puis moi, je vais pas faire de peine à mon ex. Y a pas juste les intentions qui comptent, les gestes aussi. Ben, je te le redis, OK? Je suis désolé pour ton ex. Il y a juste toi puis moi en ce moment.
veux souper avec toi. On se doit bien ça, non? Je vais te laisser ta journée. Et demain, c'est l'update.